cœur déjà de bien aborder le match par rapport à ce qu'on avait pu produire face à Bastia. Donc c'était un match important pour nous. On revenait ici au bout de roue et voilà, on avait une image un petit peu à redorer. Après les trois défaites du mois de février, ça fait beaucoup de bien sur le plan psychologique, sur le plan comptable évidemment. Il fallait avoir de la patience, marquer ce premier but qui va compenser qu'elle allait les faire sortir un petit peu. Bon, on a vu qu'ils sont restés en place sur le début de la deuxième mi-temps, donc on a marqué assez tôt en deuxième mi-temps. Début deuxième mi-temps, Momo met le deuxième but et là. Après, c'est vrai que le match est beaucoup plus facile et on n'a jamais été mis en danger par cette équipe-là. Et c'est une victoire logique de but à zéro, même si ça n'a pas été évident avant ce premier but. Dans un match fermé, ce sont toujours les joueurs talentueux qui font la différence. Le sens du but de Scarpelli vient conclure le superbe débordement de Gires. C'est très dur quand on est attaquant parce qu'on est dépendant des ballons des autres joueurs. Ils sont 4, 5, 6 défenseurs autour de nous, donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais on sait qu'on va avoir un ballon ou deux dans le match à un moment donné et il faut être vigilant. Et ce que j'ai réussi à faire sur le super centre de Thibaut en première mi-temps. Ouais, on sait que Scarpe aime traîner dans la surface et que les ballons, il attire les ballons entre guillemets. Donc voilà, moi je me suis concentré sur mon débordement. Après j'ai mis le ballon devant le but et voilà. Mathieu était au second poteau, donc il a pu marquer. Donc c'est un but qui nous a fait du bien puisque ça nous a permis d'ouvrir le score et après de gérer un petit peu la rencontre. Auteur de sa 8e passe décisive contre le Paris Football Club, Thibaut Gires a une nouvelle fois prouvé son importance dans le collectif guingampais. Technique, précis, créatif, l'ailier gauche costar-mauricain réalise l'une des plus belles saisons de sa carrière. Focus sur le meilleur buteur et le meilleur passeur d'en avant. Déjà, quand on fait le bilan de sa saison, c'est un joueur qui fait tous les entraînements, qui fait tous les matchs, donc qui est présent tout le temps. C'est un garçon qui a, je pense, une bonne physiologie, qui a un très bon professionnel, donc je pense qu'il a une bonne hygiène de vie également. Il fait des passes décisives à chaque match, il marque des coups de pied arrêtés, ou les pénaltys, tout ça, donc c'est bien. Et puis, il a été... depuis le début de la saison, présent en permanence, de manière très très régulière, c'est ou une passe ou un but, voire les deux. Et ça en fait un joueur à statistiques cette saison. Il a, je pense, trouvé la bonne dynamique. Psychologiquement, je pense qu'il se sent très bien. Déjà, c'est toujours, même si c'est en national, agréable de jouer le haut tableau par rapport à la saison passée. Et donc voilà, ça se passe bien sur le plan collectif. Donc déjà, c'est une bonne chose que l'équipe tourne. Il évolue en confiance, ça lui permet aussi de faire les efforts, de beaucoup travailler pour l'équipe. C'est vraiment un joueur d'équipe. Alors c'est un joueur qui sent les coups, qui a une bonne qualité de passe, bonne qualité de conservation, qui voit avant. Il analyse très vite les situations, il est capable de faire des passes décisives à chaque match. Il a toute la panoplie du milieu de terrain. Ah oui, nous les attaquants, c'est quoi. On adore ces joueurs-là. Dès qu'il peut, il essaye vraiment de mettre les ballons devant le but. Franchement, jouer avec lui, c'est, comme je dis, c'est un régal. À la traditionnelle question sur les points forts et les points faibles, un seul défaut est souligné. Un défaut parfaitement compensé par le natif de Talence. Ses défauts, je dirais peut-être qu'il est un peu lent. Moi, ce serait sur le plan physique. Voilà, j'avais été un monstre de vitesse, de rapidité, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui c'est vrai, va pas très vite, mais joue super bien avec ses qualités. Et il a vraiment un super pied gauche. Après, les qualités, il en a beaucoup qu'on ne peut pas trop citer. J'ai que, on va peut-être dire sa patte gauche. Sa patte gauche, c'est sa vista. Je suis plus un joueur qui aime toucher le ballon, voilà, qui aime faire jouer les autres. C'est jamais évident de dire ses défauts, ses qualités, donc c'est plus pour moi les autres qui sont capables de le dire. Je crois savoir qu'il est assez chambreur, je l'entends de temps en temps. Ah, c'est un mec cool, tu vois, c'est un mec cool et il n'a pas de problème.
Par contre, moi, il me fatigue trop. Hein. Franchement, il me lâche pas. Il arrête pas de me casser la tête. Mais bon, c'est dans le bon sens. C'est un très bon professionnel, comme la plupart de, enfin comme tous nos anciens. On a la chance que nos plus âgés, Christian, Lionel, Thibaut, Mathieu, Fabrice, les plus anciens, soient vraiment de très bons professionnels et sont un exemple pour tous nos jeunes. Un ancien qu'on peut dire on peut regarder sur lui pour progresser au niveau du comportement dans le vestiaire. Il approche la trentaine, il a connu la Ligue 1, la Ligue 2, le National, et je pense qu'il peut encore progresser et j'espère pour lui qu'il le fera avec Guingamp la saison prochaine. Cette année, on a beaucoup plus le ballon par rapport aux adversaires. Quand l'équipe joue, forcément, ça me convient mieux. Et voilà, c'est ce qu'il essaye d'instaurer un petit peu cette saison. Donc peut-être que ça a une répercussion sur moi. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été un joueur de ballon. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de jouer dans une équipe qui essaie de produire du jeu, même si ce n'est pas toujours évident à faire. C'est toujours mieux d'avoir le ballon que de courir après. Donc, après, c'est vrai qu'on est en national, donc il y a aussi un peu de ça, faut pas l'oublier. Mais il a certainement trouvé sa place dans ce qu'on demande. C'est agréable, et en plus, comme je dis, quand il y a les résultats qui suivent, c'est forcément on passe des bons moments quand on est sur le terrain. À la fois un jeu au sol porté vers l'avant, avec la recherche de la profondeur à un moment donné, et que ce soit encore une fois par la passe ou dans la conduite, parce qu'il y va de temps en temps, bah, il arrive à apporter ce petit plus. Voilà, on a envie de jouer les matchs, et donc voilà, c'est mieux d'aller sur le terrain avec le plaisir que voilà, où on a des moments plus difficiles, par exemple comme la saison dernière où c'était pas évident, on produisait pas beaucoup de jeux, donc voilà, c'est deux saisons complètement différentes, mais donc peut-être c'est aussi pour ça que je m'y retrouve cette saison. Bah, je pense que voilà, ces stades parlent pour lui, il est indispensable. Pour moi, tout le monde est indispensable. C'est vrai que Thibaut, c'est un élément qui a été plus utilisé par le coach. Non, personne n'est indispensable, tout le monde est important, et voilà, je pense que le coach le dit assez souvent, personne n'est indispensable. Imouri, qui joue aussi beaucoup, même s'il ne joue pas actuellement, dans son registre à lui, est aussi et un finisseur et un passeur. On a deux joueurs qui se ressemblent, avec bon, des petites spécificités différentes. Tout le monde est important et tout le monde se sent concerné. C'est ça, je pense que c'est le coach qui l'a mis en place. On n'a pas à se plaindre de l'investissement collectif de l'ensemble des joueurs. Chacun se sent important dans l'équipe, et ça qui fait la différence. À partir du moment où tout le monde a le même état d'esprit, je pense que voilà, l'amalgame se fait et je pense qu'on peut avoir des résultats. Pour bien observer le championnat national, pour voir beaucoup de matchs, entre les matchs que je peux observer, qu'on observe et qu'on fait voir, je pense que c'est le joueur le plus efficace et le plus régulier du championnat. Quand l'équipe tourne, c'est toujours plus facile de se mettre en évidence. Donc voilà, j'ai la chance que le groupe marche bien, donc c'est toujours plus facile. Après, c'est une saison qui est sur le plan personnel, c'est vrai, c'est l'une de mes plus bénéfiques. Donc voilà, donc tant mieux. Et comme je disais, ça pourrait être top, ça serait que ça se termine par une montée en fin de saison, et ça serait vraiment une très belle saison.